le peuple d'abord, que vive la République, que vive la nation. La suite du logiquement, le chef de l'État demain sera présenté parce qu'il sera reçu par le roi. Ensuite, il continuera avec le ministre des Affaires étrangères, M. Pierre Renders. Puis, il se retrouvera avec les hommes d'affaires européens, spécifiquement belges, à la chambre, de la Chambre de commerce, dans la salle de Palais Gaulois sur Rabat. Le lendemain, il recevra la communauté congolaise aisée. Ensuite, on ira en visite à Anvers, à l'hôpital de la médecine tropicale, à la Bourse du Diamant, ainsi qu'au port d'Anvers, et ça sera probablement la fin de cette semaine. Nous allons continuer ces images. Nous avons plateforme Chichi Fatim. Plateforme Fatim. Est-ce que les images sont ici? Voilà. Vous avez au premier plan pour assister au retour, comme le dit ma consoeur Uta, le fils de l'homme. Quand on a vu le père, on voit le fils. Le Spence Étienne Tshisekedi Pela. Son âme, le fils de l'homme qui rentre aujourd'hui, que vous avez soutenu comme candidat, qui rentre aujourd'hui à Bruxelles comme président élu démocratiquement au Congo. Et nous allons assister à sa présence. Quel est votre tour? Assister sur le plan. Voilà l'occasion de nous être donnée aujourd'hui. On est au moins un ami président. Donc, pour bien rater cet événement. Comme ça, pour se sensibiliser, pourquoi pas là, nous étions un peu de l'Europe. Le Luxembourg. On est venu bien représenter aussi Luxembourg pour montrer notre soutien à notre président. Voilà, donc. Ça te voit des fois. Voilà, je vois la photo de Fabrice. Est-ce qu'on peut nous expliquer un truc? Fabrice, personnellement, je l'ai rencontré c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui est aussi qui partage surtout la vision de qui est jeune et que en soutien ces idées-là. Je vais aujourd'hui justement essayer de accompagner les gens de c'est ma voilà avec Ika, je vais rentrer. Voilà, c'est la direct. Ouais, on est venu en mars. À bientôt. Voilà, en poil. Non, faut tout le monde. Voilà. On est là. C'est ma. Pourquoi j'attends ma photo? C'est ma. Non, mais attends. Attends, on est en bas. Ouais. Voilà, c'est ma. Attends, un instant. Voilà, on dirait qu'avec ces marques, la Ligue des Jeunes, UDPS Luxembourg, nous sommes là, tout le président de la République. Nous avons dit que le président va atterrir bientôt à Zokita, Mwana Bela, à Zongina Bela, un homme de paix, président à tous les Congolais. Voilà, ces marques et moi en pointe, pas de polémique. Les gars, on est ensemble, nous sommes de la famille. Exact. Voilà, nous sommes la famille. Fatih toujours, ah, béton. Fatih toujours, toujours Fatih béton. Fatih béton. Fatih béton. Béton, béton, béton. Béton, béton, béton. Voilà. Je suis la vie d'urgence pour tous mes amis. Big up. Bajan. Nous la Ligue voilà. UDPS Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg. Voilà. Luxembourg. Grand duché de Luxembourg. Bonne Fatih. Béton. 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 Bé
Voilà. Merci, c'est moi. Je n'ai pas regardé, j'ai juste appelé 3-4 personnes qui sont entrées et après ils m'ont dit d'arrêter. Et ils m'ont pris la. Oui, ça fait. L'avion va atterrir. Hein. Et je suis bien sur là, il va il y a déjà quelques personnes. Mais appelle-la sur son GSM. Ouais. Bonne maman. Bien, papa. Lui-même. Moi, message, je m'occupe de bazar au langue de Bélé. Essaye, je vais rattraper aux élèves de mon cousin et avis sur mon route pour l'aide. Voilà, ton lingue dans mon thème, mon cousin. Je suis ravi, Malouna. Est-ce que on peut vous interviewer dehors, c'est mieux? Il n'y a pas de problème. Voilà, ok. Tout ça, c'est marqué le passé. Comme cette histoire des mots. Oui, monsieur Babi, c'est indépendant. Ils n'ont rien en commun. Oui. Ok. Voilà. Alors, Babi, Marc, tu t'es fait quoi? Ah non. Je viens à moi. Écoute, voilà. Non, reste. Juste les chapeaux. C'est 30 secondes. 30 secondes. Ok. On attend 30 secondes. Tu es en direct toi aussi. Oui, moi je suis en direct. Ok. Je suis en direct. À partir d'ici, c'est bon. C'est fait. Contre jour, c'est voilà. Alors, Babi Baloukouna, bonsoir. Bonsoir, Marc. Nous sommes ici à Melsbrook. Oui. En face de nous, c'est Zaventem pour ce grand moment. Oui. Le retour, je dis bien le retour, du président. Il faut dire était candidat et aujourd'hui rentre comme président. Moi, je me rappelle plus de son message avec le dynamique Fachi président, un message qui a bien voulu lancer pour tous les Congolais qu'il part au pays pour amener la victoire. Et aujourd'hui, il rentre avec cette victoire ici à Bruxelles, qui est une ville qu'on se rappelle de son combat ici. Beaucoup demandent même où est le policier qu'il avait. Voilà. Quelles sont vos impressions à chaud par rapport à ça? Ben, la première des choses, nous venons accueillir un résident bruxellois, un résident belge de l'époque, l'actuel président de la République. Donc quand j'ai entendu toute la polémique sur la bienvenue ou le malvenu, j'ai tout de suite répondu qu'il était le bienvenu parce que ici, c'est chez lui. Il a vécu ici et je ne vois pas comment quelqu'un qui a vécu ici pouvait être inquiété par des gens qui ont vécu ici au même titre que lui. Donc, cette liberté fait qu'il arrive. Mais vous avez dit une chose de capitale, il ne revient pas comme un simple citoyen. Aujourd'hui, il revient comme un chef d'État. Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. C'est à ce titre donc que cette république, donc ce royaume, pardon, le royaume belge le reçoit. Il le reçoit avec beaucoup d'honneur, beaucoup des honneurs, je voulais dire. Ici, il y a les militaires qui vont l'honorer.
il y a les politiques représentées par M. Renders qui vont l'accueillir, et bien sûr sa chère population qui est là, nous autres, tous ceux qui ont milité avec lui à ses côtés, soit ceux qui n'ont jamais milité avec lui, mais qui le reconnaissent aujourd'hui comme chef de l'État et qui attendent beaucoup de lui parce qu'il est passé président de la République à l'issue bien sûr d'un programme. Voilà pourquoi il y a une foule aujourd'hui. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. La Belgique est quoi? Fatiguée. La Belgique est fatiguée aujourd'hui. Donc voilà, nous avons. Consoeur, ça va? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que nous étions ici en Belgique. Nous avons assisté au départ du président de la République, autrefois candidat, qui retourne en Belgique en tant que président élu de la République démocratique du Congo. Au sentiment. Alors, on est déjà content, comme tu l'as dit. On a accompagné le président le jour de son départ. Il est parti le 26 novembre. L'aéroport de Zaventem, parce qu'on est parti d'Afrique. Il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, comme étant candidat. Voilà, je veux quand même montrer au public, il est parti en tant que candidat là-bas où tout le monde passe. Aujourd'hui, il rentre. Et aujourd'hui, il rentre à l'aéroport militaire de Mexico. C'est très significatif. Donc là maintenant, il est plus important. Là vraiment, on est. Donc je... là, nous avons notre on grand. On est encore content parce qu'il y a le changement chez nous. En tout cas, il va parler de la cabane, de la presse française. Les gens de la diaspora qui attendaient le changement. Mais aujourd'hui, on a vu le changement avec. Parce qu'il y a un responsable de corps. Oui. Comme il y a le président. Donc, je vais dire un mot pour aujourd'hui. Courage à aller de l'avant. Un mot. Travailler pour la population. C'est respecter la devise. Être heureux de voir la mobilisation que j'ai constatée chez vous. Pas simplement de la communauté congolaise ou en Belgique, mais j'ai retrouvé des amis même des États-Unis. Non, comment, pourquoi on est content de dire, ok, ça va. Merci. Ceci est, une, voilà. Est un signe de démontre. Voilà, il y a un monsieur qui a battu un travail. Un travail qui se fait sur le terrain. Travail qui est loin de la diaspora. Je veux revenir avec les Congolais de la diaspora. Je veux l'accompagner, le chef de l'État. Bon, écoute, hein. Ici, par ailleurs, je voulais. Moi, je suis à l'intérieur, à la côte aquinaliste. Tous ceux qui estiment que l'heure est venue de nous rejoindre, de rebâtir notre cher pays, qui puissent rentrer au Congo. Tous ne seront pas la malade, tous ne seront pas les ministres. Nous avons assisté au départ du président de la République ici à Zaventem, de l'autre côté en tant que candidat. En tout cas, après avoir fait la tournée aller aux États-Unis et dans d'autres pays, la Belgique est vraiment significative. C'est à partir de la Belgique que le président de la République, autrefois candidat, avait promis de revenir avec le pouvoir. Ça vous fait quoi qu'il avait vraiment travaillé dans l'équipe jusqu'à la victoire du chef. Je te dis vrai, Marc, il y a des moments où j'ai envie de me tapoter les joues pour me dire, mais attendez, je rêve ou je dis ça? Parce que la manière dont, laissez-moi le reconnaître, Dieu nous a conduit au travers cette campagne, au travers également cette victoire, me pousse à me dire, Seigneur, merci. De l'intérieur, il y a toujours cette émotion. Cette émotion de se dire, tiens, nous y sommes arrivés, mais la manière dont nous sommes arrivés, il y a beaucoup plus de responsabilités. Que devrions-nous faire pour ne pas être démagogues? Parce que les attentes sont énormes. Les attentes d'abord de nos combattants qui ont eu 32 ans de combat et qui s'attendent tous à avoir un emploi, mais également des attentes de tout ce peuple congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et cette démarche, je crois modestement, ceux qui sont, je ne sais pas si c'était bien, je dis ça récemment, ceux qui ont pu venir ou qui ont la famille, qui appellent, se rendent compte que chaque jour qu'on passe, il y a une pierre en plus, il y a quelque chose de nouveau qui est apporté simplement à cause de l'amour de la patrie, l'amour du prochain, que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, revenir en ce lieu pour moi également
Azaventem a une double émotion parce que c'est d'ici que je suis parti. Lorsque j'ai eu ce privilège de voyager avec papa, le 26 juillet, nous étions jetés, je ne peux pas dire dans le vide, parce que un jour je le dirai, si je l'ai fait un jour, c'est parce que j'avais une révélation. Et cette révélation qui m'a fait changer de nom, de Jean-Marie Abraham, que Dieu m'avait parlé en 2006, il est là, c'est ce que je dis aujourd'hui. Okay, on va immortaliser l'arrivée de l'avion. En tout cas, il est là. Il est là. Voilà. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le président de la République en direct. Allez, voilà. Voilà, vous suivez en direct l'arrivée du président de la République en direct. Voilà. Le président de la République. Non, filmé, ouais. Sans commentaire, partagez la vidéo du retour du président de la République. Merci. Merci batterie. Merci. Merci batterie. Vive le président. Merci batterie. Il me lâche. Regarde, à un moment tu me lâches. Bon bah ma batterie me lâche juste quand le chef est là. Merci batterie. Plus jamais j'achèterai un téléphone Samsung. Voilà, donc on y est, donc les présidents de la République. Bon, allez tous chez Nouchka Toumba. Donc, on va maintenant faire notre direct avec Nouchka Toumba. Allez-y. Bokota et pas Nouchka Toumba. Merci.